ses problèmes avec n'importe qui sur la toile. Ça ne me concerne en rien. Je l'interdis de laisser penser aux internautes que je lui aurais filé les nudes de Valsero. Valsero, c'est un grand monsieur, je le respecte beaucoup. Il ne fait pas de bêtises. J'ai dit que Pifo ment. Il a menti sur mon nom. C'est un mytho. C'est un mytho. Il ne peut pas prononcer mon nom en laissant croire aux internautes que oui, l'artiste de Manu, j'ai les nudes de Valsero. Tu mens. Arrête de mentir sur mon nom, frère. Pifo, tu peux faire à une femme comme Valsero avec son gros, avec son bon plantain là. Son long plantain là. Fait comme toi, Pifo. You feel fuck son gars, tu peux bam. Si je te paye un bordel là, comme je viens souvent au Cameroun, je suis souvent logé à Aqua Palace. Je te dis que Pifo vient petit frère. Devant moi, je vois, tu peux une femme comme Valsero. Valsero, c'est un vrai gars. Il pique. Tu as compris avec quoi, Pifo? Tu ne vois pas Valsero. Fais ta guerre avec ma soeur de Suisse, la baronne, sans prononcer mon nom. Parce que moi, je te lave quand je veux ici sur Meta. Si tu veux te retourner la guerre là contre Valsero et moi, je vais te laver ici là. Je te dis que Valsero, c'est un homme. Il m'a piqué des manouches juives. Il a un bon plantain. C'est un homme avec grand H. Toi, Pifo. Robinson, tu peux piquer une femme. Tu peux faire la femme. You feel fuck des gars. Tu peux piquer une femme. Avec ton cou là. Hein? Pifo. Est-ce que tu peux piquer une femme avec ton cou là? Il laisse entendre aux internautes comme quoi. Il aurait les vidéos, les nudes de Valsero. Tu crois que Valsero est bête pour filmer ce débat? C'est... Si tu as les nudes, je te lance un défi. Puis faut, si tu mets les nudes de Valsero là, je te donne 10 000 euros. Jo. Si tu mets les nudes là, que si tu as ça, je te donne 10 000 euros cash. Jo. La mythomanie vous a même fait quoi sur internet? Si vous mettez dans vos coléries. Ndemanou, l'artiste Ndemanou. Ça fait combien d'années que je n'ai pas causé avec toi, Pifo? Combien d'années toi et moi n'a pas échangé? Je t'avais contacté une seule fois dans ma vie, à peut-être 3 ans, pour que tu sois mon manager jusqu'à aujourd'hui. Parce que l'argent que tu m'as demandé pour être mon manager, c'était plus de 5 millions. J'ai dit, mais moi, je préfère aller acheter mon fer, mon ciment, mon gravier, pour faire ma fondation, faire mes dalles, construire ma maison, acheter mes terrains à gauche, à droite, dans mon village où je suis reine, mais au pays Babléké, à Foreke. Toi, tu me dis que, ouais, l'artiste de Manu, je cause avec toi, mon frère. Tu es mon. Tu as déjà dit que je cause avec toi. Tu es loin, tu es mon petit frère, loin derrière moi. Et Pifo, tu es loin derrière moi. Je pouvais être ta mère si j'avais accouché jeune. Je pouvais être ta mère. Tu connais mon âge, Pifo. Comme tu ne respectes personne, un enfant bambineke qui ne respecte rien. Tu ne respectes pas les mamans, tu ne respectes pas les papas. Même Valsero que tu insultes tous les jours, il pouvait être ton père, Pifo. Voilà notre comédien, la mamie Tong. J'ai appris qu'elle était hospitalisée. On t'a vu sortir sur mamie Tong ici. Tu ne respectes rien. Ah, tu sais, tu là, fais attention parce que au thème de mon nez. À force, tu me trouves. La chenille qui est dans ton cerveau qui te dérange là, Pifo. La chenille qui est dans ton cerveau qui fait que tu caches tout le monde là. Tu vas tomber sur une autre personne. La personne va t'enlever la chenille là dans ton cerveau. Qu'est-ce qui te dérange même? Va te laver à Bouddha là-bas. Les Bouddha, ils les entendent bien. C'est quoi avec toi? C'est quoi avec toi? Tu prononces mon nom dans tes conneries, pourquoi? Je cause avec toi. Prononce Isoumli. Parce que c'est pas l'enfoiré que tu comprends. Prononce Isoumli. Est-ce que je cause avec toi? Pourquoi tu me mêles, tu mets mon nom dans la saleté? Tu ne vois pas que depuis je suis dans ma prière, dans mes louanges, quand tu tapes ma page, ma fond gonfie. Tu ne vois pas que je publie beaucoup de prières. Arrête un peu de me déranger, de me prononcer dans tes choses. Et arrête de laisser entendre aux internautes que tu aurais les nudes de Valsero venant de moi. Ça ne va pas dans ta tête ou quoi? Ça ne va pas dans ta tête? Je t'aurais passé les nudes de Valsero, tu es normal dans ta tête là? Le mensonge vous a fait quoi? Je cause même avec toi, papa. Tu as même mon numéro de téléphone, papa. Voilà même les Franco qui ont les WhatsApp là. Hier soir, j'ai contacté Franco. J'ai dit, mais attends, c'est du délire que ce monsieur fait. Et Franco, s'il te plaît, prends la vidéo aussi. Envoie même ça partout, jusqu'au cabinet civil. C'est même quoi avec vous? Il faut laisser les gens en paix, hein. Laissez les gens en paix. Quand tu fais tes sales clashs là, ne me prononcez plus jamais, Pifo. Je ne te connais pas. J'apprends seulement ton tchélé que sur Internet. C'est pour ça que je te dis que quand je vais arriver au Cameroun, viens me voir, je te paye une bordel. Tu vois, pour confirmer que tu es un homme. Avec ton histoire d'achat, là, que tout le monde a versé sur la toile, que tu es un tchélé. Tu ne vois pas Valsero. Valsero, c'est un homme avec un grand H. Valsero, femme juive. Toi, Pifo, tu peux femme juive. Tu ne vois pas Valsero. Même si Valsero est gigolo, il gigole les femmes, il couille les femmes. Tu peux couiller une femme. Hein? Même si vous dites que Valsero est gigolo, je dis que Valsero couille les femmes. C'est un homme avec grand H. Tu peux couiller une femme, Pifo. Tu peux couiller. Je dis que tu es chouqué une femme. Tu peux faire ça. Hein? Tu ouvres la bouche parce que tu es devenu comme nous là, les femmes. Tu attaques tout le monde, même ta maman, mamie, ton, tu attaques. Les mamans, ça dit que même tes grands-mères, les mamans comme les nous, les démons, tu attaques. Les mamies, ton, tu caches. On peut faire ça.
Tu avais aussi clashé la maman d'Achalé. Tu clashes tous les mamans. Tu en veux au monde pourquoi? On t'a mis la corde au cou pour te mettre le go dans le cou. Tu avais mis la corde au cou et on t'avait mis une arme sur la tente. C'est ton choix, non? D'après ce que les internautes disent, c'est ton choix, tu as choisi donner ton team. C'est le nom de Shakiro qui est gâté. Mais sinon, vous êtes nombreux là-dehors. On vous voit comme les hommes, mais en bas, vous êtes les femmes. Le ne lève plus. À force de se faire prendre les gros d'abobé dans le cul. Tu en veux au monde pourquoi? On t'avait mis une arme dans la tête pour te mettre le dagobé dans le cul. C'est ça qui te fait perdre la raison. Tu deviens un menteur national. Jusqu'à dire que l'artiste Ndemanou, tu laisses penser aux internautes que l'artiste Ndemanou t'aurait filé les vidéos, les nudes de Valsero. Tu es malade dans ta tête. Nous sommes de la même catégorie. Tu m'as bien regardé. Je dis même avec les mains au Cameroun, là, le jour où je vais arriver, je vais te boxer, Pifo. Je vais me renseigner, trouver ta maison. Là, tu me connais pas. Je suis une langue à Boko, hein. Je marche avec les langues de la zone, même ici en France. Même avec les Arabes ici en France. Attention avec moi. Tes conneries que tu fais là, avec tes gens là, moi je suis pas dedans, hein. Parce que moi je pars ma PAC avec la bagarre. Et tu ne peux pas me gagner, hein, Pifo. Fais attention. Je suis une fille d'Aqua, née à quoi, grandie en France. Fais très attention. Ta manipulation, tes mensonges ne viennent pas mal à côté de moi. Moi, ma Fongofi, ne viens pas mal. Il faut un peu te renseigner sur moi, hein, avant de m'attaquer. Renseigne-toi un peu, Pifo. Moi, je suis quelqu'un de très bon, très gentil. Mais quand tu veux me faire du mal, je te fais ça fois 1 milliard. Tu as compris avec quoi? Je te rends ça fois 1 milliard et ça ne chauffe pas. C'est même quoi avec vous? Quelqu'un est tranquille dans son coin, tranquillement tranquille, à vivre sa vie, une place. Je suis en train de regarder moi mes séries Nollywood là. Je suis fatigué de regarder les Netflix à ma télé, tout ça. Je tombe sur une vidéo de Franco. Je regarde la vidéo. J'entends l'artiste Ndemanou. Valsero, fais attention, j'étais nude. L'artiste Ndemanou. Valsero, fais attention, j'étais nude. Pifo, je te donne 10 000 euros. Je dis bien 10 000 euros. Si tu as les nudes de Valsero, tu mets. Je te donne 10 000 euros. Mytho que tu sois. Tu as ça qui t'a donné. Tu crois que Valsero, c'est un idiot comme toi qui va aller faire les débats, c'est qui va se filmer. Tu crois que Valsero, c'est un larbin, hein? C'est un homme très intelligent, hein, fais attention, hein, tu ne vaux pas Valsero. C'est un homme trop bien, cet homme mal respecté. Cet homme mal respecté. Il respecte la femme. Valsero respecte la femme contrairement à toi. Mais toi, tu ne respectes pas la femme, toi, Pifo, parce que tu es une femme. Pas ton essai. Bienvenue au laboratoire Photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ekounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format, toutes les dimensions confondues. Vision Pro, tu restes. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photos de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. À un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ekounou, à votre droite. Et à 400 mètres, venant de Carrousel, à votre gauche. Numéro de téléphone, 672 30 37 85 697 39 27 28.